Salut les Gones, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Christian Pulisic et de Touré Kambi. Les rumeurs mercato continuent, et là c'est une grosse rumeur mercato, une grosse bombe qui était lâchée sur Twitter il y a quelques minutes. Christian Pulisic, c'est quand même un gros nom quand même de la première ligue. Il a été acheté 64 millions d'euros de Chelsea, ben de Dortmund pour arriver à Chelsea. Il n'a pas convaincu sur ses dernières saisons. Il avait fait une bonne première année où il avait mis presque 10 buts et presque 10 passes décisives. Malheureusement, la dernière saison est catastrophique. En un peu moins de 30 matchs, c'est un but, une passe décisive. On voit l'image de l'équipe de Chelsea cette dernière saison-là. C'est la saison qui vient de s'achever. C'est catastrophique. Toute l'équipe a été mauvaise. Et lui aussi, donc, Lyon s'est penché sur son cas, ou en tout cas Textor et les nouveaux dirigeants. Faut savoir qu'il lui reste plus qu'une année de contrat. D'après Transfermarkt, il vaut 25 millions d'euros. Et d'après Hugo Guimet et plusieurs sources et des journalistes, voilà, pro mercato, ça pourrait se boucler autour de 20 millions d'euros. Les points négatifs, c'est qu'il y aurait la Juventus, Naples et d'autres clubs italiens ou d'autres gros clubs aussi. Je me souviens plus du dernier nom. Mais c'est des clubs, voilà, beaucoup plus forts que Lyon, qui ont la Coupe d'Europe. Donc nous, ça va être très très dur. Il faudrait un miracle. Et on sait que Textor, généralement, il force beaucoup pour récupérer des joueurs. On avait quasiment récupéré João Gomes. Finalement, on avait appris que le joueur avait donné vraiment sa parole. Et on sait que les Brésiliens, quand ils donnent leur parole, c'est impossible de leur enlever. Mais on avait quasiment. Hein. S'il n'avait pas donné sa parole, mais juste un petit accord sans donner sa parole, on aurait peut-être pu choper João Gomes au mercato hivernal dernier. Maintenant, bref, continuons sur Pulisic. Je vais vous donner un petit peu ses caractéristiques. Donc, il est bon pour tenir le ballon. Voilà, c'est un bon joueur de foot qui tient bien le ballon. Ses points forts aussi qui me font plaisir, c'est qu'il tire de loin dans l'équipe. Hormis Tolisso, quand il le veut et qu'il se sent bien physiquement, on n'a pas d'autres bons tireurs de loin. Il est bon dans la finition, donc pour un ailier, c'est très très bien. On voit que Barcola marque pas mal de buts, fait pas mal de passes décisives, il est très efficace. Lui, son point fort, c'est la finition. Malheureusement, à Chelsea, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'était pas très très bien l'année dernière pour toute l'équipe. Donc si on peut le relancer, et à Lyon on sait qu'on avait réussi à relancer Depay, si on pouvait faire la même chose, si on avait la certitude que Pulisic venait, je pense qu'on peut le relancer. Pulisic, il aura pour moi une liberté quasiment totale sur son côté gauche. Mais après, est-ce qu'il va venir à Lyon? Honnêtement, je miserais pas une maison dessus, ni une voiture, ni 1 million d'euros sur le fait qu'il signe à Lyon prochainement. Après, pour continuer avec ses faiblesses, c'est les passes, pas des mais juste les passes en général, les duels aériens, les centres et la contribution défensive. Donc, les replis défensifs en gros. Hein. Donc, ça fait quand même pas mal de faiblesses. Après, on peut toujours les travailler. Il a que 24 ans. Voilà, normalement, il va avoir 25 ans voilà, en septembre. Donc, pour moi, il peut encore travailler là-dessus. Pour continuer, je vous donne un petit peu ses caractéristiques au niveau du style de jeu. C'est un joueur voilà, qui obtient souvent des fautes, donc voilà, il provoque tellement qu'il obtient souvent des fautes, aussi à des endroits stratégiques, donc si on avait un bon tireur de coup franc, ça pourrait aider. Il aime aussi dribbler, c'est une menace sur coup de pied arrêté indirect. Également, il aime jouer en passe courte et il ne se jette pas au sol pour tacler. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit avant dans la contribution défensive. Lui, c'est juste un joueur voilà, qui est vraiment focus sur l'attaque. Donc après, s'il vient, il va falloir qu'il s'applique quand même aux règles de Laurent Blanc. Laurent Blanc, on sait voilà, qu'il aime bien les joueurs voilà, qui aiment aussi défendre. Donc après, comme je l'ai dit, le joueur n'a que 24 ans, donc il peut encore largement progresser. Moi voilà, mes bémols, ça va. Eux aussi, je tenais aussi à vous dire que il ne prendra pas la place d'un extra-communautaire, parce qu'il est également croate. Il a la double nationalité, sauf qu'il a opté pour la nationalité américaine pour le football, hein, pour l'équipe nationale. Voilà, c'est un point important aussi à dire. Moi, honnêtement, j'y crois quasiment pas cette piste parce que le nom des équipes comme Naples et la Juve, juste Naples, tu viens de faire un échec total avec Chelsea. T'as quand même le champion d'Italie qui est là, qui toque à la porte, ou en tout cas qui se renseigne sur toi. Honnêtement, tous les joueurs, il faudrait vraiment être, je sais pas, avoir un problème psychologique pour aller à Lyon et ne pas choisir Naples. Franchement. Mettez-vous à la place du joueur. Donc si on arrive à faire ce gros coup-là, moi je suis à 100% pour. Hein. Moi honnêtement, il a largement sa place à gauche. Hein. Surtout que Barcola, j'ai l'impression que même vu le match d'Euro Espoir que j'ai regardé où ils ont gagné 2-1 contre l'Italie, maintenant il a l'air d'être cantonné à droite.
Donc, et je vois que Lyon se renforce fortement, en tout cas se renseigne beaucoup sur le poste d'ailier gauche. Là, c'est une grosse piste. Maintenant, il y a aussi le salaire à prendre en compte. Il est énorme. Il va falloir qu'il le divise par deux ou par trois s'il vient à Lyon. À mon avis, Lyon va aussi essayer de lui donner des garanties. Donc, moi, honnêtement, je n'ai pas plus à dire sur lui. J'espère que ça va se faire. Malgré que je vous dis, pour moi, il vient à Lyon à 5%, 10% maximum. Il y a trop de clubs européens énormes avec de la Coupe d'Europe à jouer pour la saison qui arrive. Donc ça va être très très dur. Mais je valide totalement la piste. Donc, pour continuer avec Touré Kambi, l'info est tombée bien plus tôt dans l'après-midi. Il y aurait deux clubs turcs autres que le Beşiktaş qui a l'air de pas poursuivre la piste. Il y a Galatasaray et Fenerbahçe, les deux gros clubs turcs qui sont sur lui. Et également Al-Shabaab, qui était déjà sur lui, je crois, au mercato hivernal dernier, qui lui offrirait 2 ans de contrat, voilà, hyper bien payé, hein, vu que maintenant l'Arabie Saoudite offre des contrats très très bons. Moi, j'ai hâte qu'il se barre vite. Voilà, c'est un joueur que lui, il n'a pas envie de venir, le club n'a pas envie de le faire venir, de le garder et de le faire jouer. Donc j'espère que ce dossier se finira le plus vite possible. Donc voilà, vous avez mes avis sur les deux joueurs, en tout cas. Les infos qui sont tombées sur eux, j'attends votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se revoit une prochaine vidéo. Ciao les gars.